Juillet 1812. Les Espagnols qui occupent le Venezuela recherchent activement le lieutenant Simon Bolivar, chef révolutionnaire, qui lutte pour la liberté de son peuple. En exposant ses plans à table, devant tous les convives du général. C'était d'une imprudence folle. Il est fou de colère, Izquierdo. Ouais, enfin, il y a de sa faute. C'est la seconde fois qu'il croit tenir ce Bolivar, qu'il est prêt de le capturer, mais que celui-ci lui glisse entre les doigts. Izquierdo devrait s'entourer de plus de précautions. L'affaire est acquise. Cette nuit même, dans la maison où il s'était réfugié, Bolivar a été prévenu qu'Izquierdo viendrait à l'ordre pour le capturer. Il n'a pu être prévenu que par des convives hier soir. Il y a donc un traître dans l'état-major. Je commence à le croire aussi. Enfin, si Bolivar parvient à passer nos lignes et à rejoindre ses partisans, il les regroupera très vite. Ah, et ce sera de nouveau la guerre. Eh, par Saint-Jacques, j'aime mieux faire la guerre que de crever d'ennui dans ce pays où l'on ne voit pas une seule jolie fille. Oh. Pas une seule jolie fille, tu exagères. À Siquisec, quand mon bataillon a pris la ville, nous avons laissé vivants 19 habitants. Mmh. 19 femmes ! Et des belles, bien entendu. Bon, c'était contraire aux ordres du général, qui avait exigé que l'on exterminât jusqu'au nouveau-né, mais pour nous,
Nous avons gardé les plus belles. Je peux vous dire qu'il y en avait de Nirine. Ah, bien sûr, faut pas en trouver. Celle que je m'étais réservée avait 16 ans. Des seins menus. Tiède comme des colombes. Elle pleurait doucement chaque fois que je... Tu me sous la bouche. C'est toi donc. Regardez. Ah non, je l'ai donné à 5 de mes hommes après la bataille de Barquisimeto. Pour les récompenser de leur bonne conduite, il n'avait rien de mieux sous la main. Dommage. Oui, enfin, une indienne, hein. Ouais. Enfin, ça ne nous apprend rien sur la fuite étonnante de Bolivar. Et je brûle d'envie de savoir comment l'affaire s'est déroulée. Patience, Izquierdo l'enseignera. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Il va certainement passer par ici pour présenter son rapport à son excellence. Ah. Il doit être dévoré de rage. Izquierdo a toujours cette conviction insolente que les événements vont se passer comme il le désire, que les êtres vont rigoureusement se plier à sa volonté. Mais quand la malice d'une volonté étrangère à la sienne contrecarre ses projets, alors il donne, il veut crever le ciel et exterminer les populations entières. Vous allez le voir tout à l'heure, un ouragan, une tempête. Comme dans son cadet à l'académie militaire, je me souviens qu'il était tombé amoureux fou d'une petite vicomtesse de 17 ans. Oh, mais elle ne l'aimait pas. Et ne lui fut entendre. Cet aveu ne refroidit pas son ardeur. Au contraire, il lui jura qu'elle aimerait bien force, qu'il la forcerait bien à l'aimer. Elle finit par épouser un gentilhomme portugais. Qu'est-ce qu'il y a dans sa démence? Provoquer un duel et failli embrocher. C'est alors que pour calmer cette passion, les autorités militaires expédièrent notre ami sur ces terres pénibles, où il a pu enfin oublier ses premiers amours. Oublier, je suis pas sûr que ce soit le genre d'homme à oublier un échec, même au bout de 20 ans. D'accord avec toi. D'ailleurs, je pense qu'il ne pardonnera jamais à celui qui a joué ce matin en prévenant Bolivar. Arrêtez ! Tu m'as vu jusqu'ici pardonner une fois ? Est-ce que j'ai cet air idiot d'un homme qui peut s'attendrir et pardonner? Hein? Jamais! Iscardo. Oui. Vieux compagnon d'armes, hein? Enfin. Tu es fatigué par cette expédition, Iscardo. Oui, mais inutile de t'apitoyer sur moi, vois-tu? Je dois aller présenter mon rapport à son excellence. Tu n'as pas vu le général? Il n'est pas encore au courant? Je lui apporte 2 surprises. Comment 2? 1, l'annonce de mon échec. Et 2, le nom de l'homme qui m'a joué ce matin. Comme tu le disais si bien tout à l'heure. Qui est-ce? Peut-on le savoir? C'est un espagnol, un officier de l'état-major. Assez. Je ne peux rien vous dire. Il faut se taire et attendre les décisions de son excellence. Dis-nous au moins ce qui s'est passé. Oui, nous n'avons aucun détail. D'ailleurs, son excellence n'est pas encore annoncée. Tu as quelques minutes. On est arrivé à l'aube, près de la ferme où, selon mes indicateurs, Bolivar s'était réfugié. J'ai fait cerner les bâtiments. Mes hommes ont fouillé partout. Envolé ! Ils étaient aussi enragés que moi. Ils ont tout massacré, tout incendié. Je n'ai pas su les retenir tant j'étais furieux. Mais quand le feu a entamé les granges, un nègre est sorti, un demi-fou de peur. Il s'était caché sous la paille. Il a vu les autres corps allongés au milieu de la cour. Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour les faire raconter sa petite histoire. Un de mes hommes l'aidait, malgré tout, en lui caressant un peu le ventre. Un petit coup de baïonnette. Qu'a-t-il dit d'intéressant? Bolivar a été prévenu au milieu de la nuit. Il avait une violente fièvre et il a fallu le hisser sur son cheval et l'attacher à la selle. Où est-il reparti se cacher? Le nègre n'en savait rien. Aussi, je l'ai fait pendre, hein. Il l'avait su. Naturellement. Je l'aurais fait pendre. Et il t'a donné le signalement de l'inconnu? Je l'ai. C'est un espagnol, n'est-ce pas? Pas de questions à ce sujet. Vois-tu? Bon, eh ben, puisque tu le connais, ce sera facile de le capturer et de le faire parler à son tour. Avec les fourmis rouges! Le plomb fondu! J'ai une imagination un peu courte.
Bolivar n'a pas dû s'éloigner beaucoup dans ces conditions. Non. Il restera certainement caché tant qu'il fera jour, puis il fuira de nouveau à la nuit. J'ai envoyé plusieurs patrouilles de cavaliers dans les deux directions qu'il peut prendre. Pourquoi deux directions? Cette nuit, bien Bolivar marche vers Puebla, rejoint ses partisans et s'efforce de les regrouper pour nous tomber dessus. Bien, il descend vers la côte, s'embarque pour Curaçao, retrouve ses chers amis anglais, se soigne et oublie peut-être ses singes soldats et ses projets de fous. Tu crois sérieusement qu'il est assez touché, assez découragé pour renoncer? Je ne crois rien. Il y a pour lui deux possibilités. Ou Puebla, ou Curaçao, ou l'ouest, ou la côte. J'ai donné l'ordre de fouiller partout, mais surtout dans ces deux directions. Mais vous m'avez déjà trop retenu. Je vais chez le général, je pense qu'il a dû arriver. Cyrano, encore un mot. Bolivar peut donc malgré tout encore t'échapper. Non. Car avant la nuit, avant qu'il se remette en marche, je saurai où il se cache. Je te jure que je le saurai, comme j'ai su qu'il a sauvé ce matin. À tout à l'heure. Ça aurait été bon, on reste. Pourquoi, mon fils, ton attitude de ces jours derniers m'alarme. Tu tiens également des propos qui, s'ils étaient répétés à son excellence, attireraient sur toi sa colère et son mépris. Je ne parviens plus à me contenir. J'étouffe depuis que je suis ici. Vous, mon père, vous pourrez révolter par ces persécutions, ces massacres, ces pillages, ces violences. Et comment pouvez-vous condamner des hommes qui, sur leur sol, se battent pour être libres et vivre comme des hommes? Avant-hier encore, des soldats du bataillon d'Alora ont voulu enlever de jeunes filles indigènes au village de Totulac. Ils se sont heurtés à la résistance de toute la population, qu'ils ont attaqué sauvagement et dont ils ont incendié les chaumières. Il est temps, mon fils, que tu partes pour Cadix. Pour toi comme pour nous, il est dangereux que tu demeures ici pour défendre une cause que nous savons juste et que tu désavoues. Je vais demander à son Excellence de te faire rembarquer. Tu seras chargé d'une mission auprès du Conseil de Régence. Son Excellence ne s'opposera pas à ton départ. Je pensais, mon père, que vous comprendriez mes sentiments envers ces peuples infiniment pauvres et qui n'ont vécu jusqu'ici que dans le mal. Je ne peux pas avoir de pitié pour ces êtres qui s'obstinent à redresser leurs idoles et à les adorer en secret. Pour tous ces fanatiques qui refusent de confesser sincèrement la gloire de Dieu. Je ne sais si Dieu est aussi cruellement jaloux de sa gloire que ne le sont ses propres serviteurs. Je le crois, ça paraît trop, mais moi je veux croire que Dieu est très bon et indulgent. Ô misérable créature dont il a lui-même peuplé cette terre. Il n'est de créature de Dieu que celle habitée par une parcelle de l'esprit divin. Vous tenez donc que ces Indiens n'ont pas plus d'âme que des bêtes impies? Je les sais, moi, possédés par le damné, animés de ce souffle. C'est pourquoi, vivants, ils insultent à la gloire du Très-Haut. Mon père, vous approuvez donc le massacre de Campillo, de Siquisec, de Santanaro, de Totulac? Les prestiges de Dieu existent-ils vraiment? Ces charniers et ces ruines? Enfant, comment ne comprends-tu pas que dans ces charniers, dans ces incendies, c'est l'esprit même du malin qui est frappé, brûlé, détruit, affaibli? Pourquoi t'apitoyer sur ces misérables, puisqu'à travers eux, en eux, c'est le mal qu'on atteint et qu'on tue? L'odeur horrible de leurs cadavres n'est que la puanteur du maudit. Réjouis-toi donc, mon Serassi, passant à travers les ruines d'un village. Tu sens s'élever en relent de pourriture la fureur de l'éternel damné. Oui. Je partirai. J'embarquerai sur le prochain navire. Attends-moi donc. Je te rejoindrai dès que j'aurai obtenu de son Excellence ton ordre de départ. Oui, j'ai obtenu de son Excellence. Bonjour, mon père. Bonjour. Bonjour, colonel. Qu'avez-vous donc obtenu? Que des régiments patrouillent sans répit dans la région de Lunabarado à Santa Monica. Bolivar a deux possibilités. Ou rejoindre Puebla pour reprendre la tête de rebelles, ou faire retraite chez ses amis anglais à Curaçao. Nos cavaliers surveillent donc les passes qui mènent à Puebla et à la côte. Comment Bolivar a-t-il pu s'échapper? Il a été prévenu. Vous avez commencé à enquêter, père. Hier soir, à la table de son Excellence, nous étions 9 officiers présents. 9 seulement. Quand j'annonçais mon projet de capturer Bolivar avant le lever du jour. Outre le général et moi-même, il y avait les 3 chefs de corps, ce qui fait 5. Puis, soit Sola, Antonanzas et Morales. Je réponds d'eux comme de moi-même. Allons, Escardo. J'étais le 9e. Ah oui? Répondez-vous aussi de moi? Non. Quoi? Laissez-moi, père.
Écoutez plutôt. Hier soir, entouré de camarades sûrs, j'exposerai à son excellence le rapport de mes indicateurs. La découverte du refuge au Bolivar malade s'était cachée, et le plan de capture prévu pour ce matin. 2 heures plus tard, à celui qui demandait un cheval pour une mission urgente, le gardien d'écurie conseilla... Il fait encore trop noir, monsieur l'officier. Vous devriez attendre la lune. Malgré la nuit, il put se diriger et atteindre la ferme où Bolivar délirait de fièvre. On hissa le malade sur le jument noir. Mais il fallut l'attacher à la selle, tant sa faiblesse était grande. Quand notre troupe arriva, les soldats fouillèrent enfin tous les bâtiments. Dépités et furieux, ils ont massacré tous les habitants. Une jeune femme s'est même ouvert la gorge avec un morceau de miroir brisé pour ne pas être violée. Mais nous avons pu, avant de le pendre, interroger le palefrenier qui avait scellé lui-même le jument noir du fugitif. Il a pu nous dire quelle élégante tournure et quel noble visage avait le compagnon de Bolivar. Ah, mon père, sachez qu'il est inutile que vous alliez auprès de son excellence qui demandait la grâce du coupable. Une tâche reste à accomplir, pour laquelle son excellence m'a laissé entière liberté. Je ne vais demander la grâce de personne. Je me rends à la chapelle où je prierai. Sache que vous venez me chercher pour assister le condamné. Le temps presse. Bolivar restera certainement caché tant qu'il fera jour, puis il fuira de nouveau à la nuit. Il est un peu plus de 3 heures. Dans 1 heure, nous partirons le capturer. Morales. Oui. Prends 10 hommes avec toi et descends sur la place. Arrête les 6 premières personnes que tu rencontres et tu les ramènes ici. 6 premières personnes? Bien sûr. Allez, fais vite. Très bien. Je te plains, Montserrat. Je sais que t'as du courage. Il va t'en falloir beaucoup. Je ne crains rien. Qui sait? Je pourrais te torturer à mort. Mais tu parlerais pas, hein. Je te connais. Et par Dieu, si tu mourais à la torture, mes chances de capturer Bolivar s'envoleraient avec ton souffle. Puisque vous savez que je ne parlerai pas, qu'attendez-vous pour me faire fusiller? Tu parleras. Écoute-moi. 6 personnes vont être enfermées ici, dans cette pièce, avec toi. Des gens pris au hasard dans la rue. Des innocents, Montserrat. Des hommes et des femmes de ce peuple que tu aimes plus que ton drapeau. Dans 1 heure, si tu n'as pas dénoncé l'endroit précis où s'est réfugié Bolivar, ils seront fusillés. Escardon, c'est impossible. C'est inhumain. Qu'importe si c'est efficace. Je veux demander au contre-général. Refusez. Tu auras 1 heure. Si au bout de 1 heure tu t'obstines, ils seront fusillés derrière ce mur. Il faudra choisir entre la vie de Bolivar, rebelle et traître, et celle de 6 innocents. Tu n'es qu'une bête immonde. J'aurais dû t'écraser la tête le jour de Gomara, quand tu as fait enterrer vivant tous les prisonniers et toi. Aujourd'hui, ce sera beaucoup plus difficile qu'à Gomara. Je te l'ai. Et moi, je te plains. Je te plains de toute mon âme. Car ton épreuve sera dure. Très, très dur. Je veux voir le général. Son excellence me fera fusiller pour avoir trahi, pour avoir choisi la cause des hommes que nous opprimons à la fidélité au roi. Il me fera fusiller pour tout ce qu'il voudra. Ça m'est égal. Je consens à mourir en traître. D'ailleurs, je suis un traître dans ce camp, je l'avoue. Mais c'est parce que je suis un homme, parce que j'ai des sentiments d'homme, que je refuse d'être une machine à tuer, une machine aveugle et cruelle. Son Excellence m'a ordonné de te faire avouer le refuge de Bolivar par n'importe quel moyen. Et je l'ai, ce moyen. Les hommes et les femmes qui vont venir ici, je ne veux pas savoir s'ils sont pour ou contre nous, s'ils nous aiment ou non. L'important est qu'ils soient innocents. Il n'y aura peut-être pas mieux de fidèles yeux du roi. Tant mieux. Il faut qu'ils n'aient rien à se reprocher. Un seul coupable ici. Toi, coupable d'avoir aidé la fuite d'un chef rebelle. Tu tiens le marché. Donnant, donnant. La vie de 6 innocents. Contre celle d'un traître et d'un bandit. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et qu'est-ce qui t'en empêche? L'honneur, peut-être? On ne livre pas un ami qu'on a seulement mis en sûreté, c'est ça? 6 innocents, Montserrat. Pèse-le bien, ton honneur.
S'il ne s'agissait que de mon honneur. Quoi alors? Alors rien, laissez-moi! Lâchez-vous! Et voilà les deux premiers qu'on amène. Tu t'imagines peut-être qu'il ne s'agit que d'une petite parodie. Et j'irai pas jusqu'au bout. Non. Tu me connais. Je te connais. Mais c'est impossible. Cela ne se fera pas. Nous venons d'être arrêtés. Et alors? Mais ils ne vont rien faire. Moi je restais sur je la sais, tête. Je sais, je sais. Pouvons-nous savoir de quoi il s'agit? Ce que l'on veut de nous. Tu verras bien. C'est que... Je suis attendu. Par qui? Chez moi, par ma femme. Eh bien, elle attendra ta femme. Tu peux pas toujours être fourré dans ses jupes. Elle va dire que tu vas t'épuiser par Saint-Jacques. Là, prends un peu de répit. Reprends des forces. Ça fait longtemps que t'es marié? Ah non. Ah, je comprends. Qui es-tu donc? Salassina, le marchand, sur la place royale. Sur la place? Oui, tu vends des tissus, de la laine, c'est ça? Oui. Oui, riche marchand, un gros commerce et une jolie femme, m'a t dit. Elle est très admirée chaque dimanche matin à la sortie de la cathédrale. Une taille, des épaules et des yeux. Je n'ai jamais vu un autre bien. Je vais rarement à la cathédrale, hélas, mais je le sais par certains de mes jeunes officiers. Réponds-moi donc. Ta femme est belle? Oui. Et tu l'aimes beaucoup? Oui. L'aimer beaucoup ne signifie pas grand-chose. Oui. L'aimes-tu plus que ta vie? Alors réponds. Plus que ta vie? Oui. À la bonne heure. C'est comme ça que j'entends l'amour. Encore une question. À combien peux-tu évaluer ta fortune? Tu ne possèdes pas que ce grand magasin sur la place. Tu as la réputation d'être très très riche. Dis-moi. J'ai deux maisons. Deux maisons? Et pas des bicoques, j'en suis sûr. Des maisons de rapport. Grandes et belles. Mais tu as aussi des troupeaux. Enfin, tu as certainement des troupeaux. Ne me cache rien, où est ton curat? Dis-moi. J'ai 1200 têtes de bétail. 1200 têtes de bétail? Par le sang du Christ, t'es encore plus riche que j'imaginais. Et toutes ces petites bêtes, naturellement, s'ébattent à travers des pâturages qui t'appartiennent aussi. Résumons. Belle fortune, jolie femme, tu es donc un homme heureux. Réponds-moi donc. Veux-tu répondre? Es-tu un homme heureux? Oui. Enfin, dis-moi, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. À la bonne heure. T'as entendu, Montserrat? Voici un homme heureux. Voici un homme comblé. Amour, richesse, jeunesse. Il a de la vie les plus beaux fruits et les plus belles fleurs. Et il souhaite que cela dure. Pas vrai? Tu t'en souviendras? Hein, Montserrat? Bon, et toi? Qui es-tu donc? Une femme pauvre. Pas de fruits, pas de fleurs, je vois ça. Je suis Louane. Louane la potière. Potière? Une potière. Morales qui m'arrête une potière à présent. C'est la fameuse Louane, je la reconnais. Quoi? Tu la connais? C'est elle qui fabrique des jarres en forme d'animaux. Et qui imite le cri de la bête qu'elle représente lorsque l'on verse l'eau. C'est très intéressant. Explique-nous donc cela. Oui, j'ai vu une de tes jarres, en effet. Elle représentait un chat. Et elle miaulait comme un vrai matou quand je la vis. Étonnant. J'ai vécu longtemps au Pérou. Ma famille est là-bas. Moi je suis venue ici il y a longtemps avec une caravane. C'est dans mon pays que j'ai appris les secrets des potiers indiens d'autrefois. Et je cherche... à les perfectionner. Comment ça, à les perfectionner? Oui, j'ai découvert de nouvelles combinaisons pour les conduites d'eau à l'intérieur des jarres et je cherche non plus à imiter le cri des animaux, mais la voix humaine. La voix humaine? Oui, faire parler des jarres qui représenteraient naturellement des têtes d'hommes. Naturellement. T'as déjà obtenu quelques résultats?
Peu de choses en vérité. J'ai pu fabriquer en argile cuite une tête d'homme qui pleure. Et lorsqu'on reverse l'eau, on peut voir des larmes couler au coin des yeux. Et on peut même entendre une plainte, une sorte de sanglot. Ça me paraît remarquable. Oui, ça fait longtemps que les Indiens du Pérou savaient fabriquer des jarres pleureuses. Viens voir ça. Mais j'habite tout près d'ici, monsieur l'officier. Mais tais-toi. Attends. Allez, moi non plus. Je passais dans la rue, monsieur l'officier. J'allais chercher mon pain. Et j'ai laissé mes deux enfants seuls. Le plus petit a 10 mois, il faut qu'il t'aide tout à l'heure. L'autre a 2 ans. Il dort en ce moment, mais... Est-ce qu'on va me retenir longtemps? Tu as entendu, Montserrat? Eh bien, à toi de leur répondre. Tu ne dis rien. Monsieur l'officier, nous n'avons rien fait. Que nous veut-on? De quoi s'agit-il? Moi, je passais dans la rue. Je rentrais chez moi. Je viens de chez mon ami Roy, le musicien. On peut vérifier. Tu l'as entendu, lui aussi? Rien fait. Ils n'ont rien fait. Ce sont des innocents. Ah oui? Eh, plutôt amusant. Je n'avais pas reconnu. Tu es vraiment Juan Salcedo? Oui, monsieur l'officier. Ouais, tu es venu il y a 6 mois de Cadiz? Avec la troupe des comédiens du Théâtre Royal de Séville. En effet, monsieur l'officier. Je t'ai pu jouer un rôle à bord du vaisseau Infante Isabel en rade de la Guayra. Oui, nous avons joué Ascasio, une tragédie moderne en prose, une œuvre puissante. Il y avait quelques outrances, hein. Des bavardages. Et le deuxième acte m'a paru trop long. Spectacle agréable tout de même. C'était par une belle nuit de juin, au milieu de la rade toute bleue. La représentation avait lieu sur le pont, au milieu des rangées de fanaux allumés. Tu étais Ascasio? Oui, monsieur l'officier. Oui, je te revois, oui. Enfin, je revois Ascasio. Il mourait avec beaucoup de noblesse au dernier acte. La célébrité du château. Quand il se tourne vers ses ennemis, et qu'il refuse l'aide, qu'il s'efforce de pardonner sincèrement. Afin de rester pur. De demeurer digne de Dieu. De vrai, Salcedo. Quel beau métier que le tien! Chaque fois que tu es un autre, tu es toi, mais tu es aussi un autre. Quelle aventure extraordinaire! Tu es Ascasio, ou Rodrigue, ou Don Juan, ou Sigismond, sans cesser d'être toi-même. Oui, c'est un métier passionnant. Passionnant! Je le crois volontiers. Eh bien, ce soir, Juan Salcedo Alvarez, je vais te donner un rôle à la mesure de ton génie. Ce soir, tu ne seras ni Ascasio, ni Rodrigue, ni Don Juan, ni Sigismond. Ce soir, tu seras Juan Salcedo Alvarez. Je ne comprends pas, de quoi s'agit-il? Tu vas comprendre, mais d'ores et déjà, sache que tu vas jouer ou vivre. Tu sais que c'est la même chose. Un drame que j'ai conçu. J'aimerais savoir. Ah, mon père, venez que je vous présente le grand comédien Juan Salcedo. Il va jouer spécialement pour nous. Ce soir, cependant, il n'aura pas besoin de beaucoup d'efforts pour faire vivre une autre âme en lui prêtant son corps. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce monde? Qu'ont fait ces gens? Mon père, nous n'avons rien fait. Moi, je passais dans la rue. J'étais souvent entouré de soldats et traîné ici. Je n'ai rien fait. Je vous jure que je n'ai rien fait. M'expliqueras-tu? Mais c'est très bien. Je sais que vous n'avez rien fait. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes innocent. Vous êtes coupable d'innocence. Mais je comprends. Fais ce jeu et pars, tais-toi. Tu vas comprendre. Écoutez-moi. Cet officier que vous voyez là est un traître. Il sait où se cache le colonel Bolivar. Oui. Ce garçon connaît sa retraite, mais il refuse de trahir son ami. C'est à vous d'obtenir de lui qu'il vous désigne l'endroit précis où s'est réfugié Bolivar. Est-ce clair? Mais s'il ne veut pas parler...
parler. S'il a refusé de vous l'avouer, vous, comment obtenir de lui qu'il nous dise à nous? Et en quoi tout ceci nous concerne-t-il? Oui, tout ceci ne nous concerne pas. C'est bien là votre erreur. Vous êtes lié à tout ceci. Mais c'est incompréhensible. Pourquoi sommes-nous mêlés à cette affaire? Je vais vous le dire. Il est à peu près 3h30. Vous resterez enfermé une heure avec cet homme. Une heure? Si au bout d'une heure, il n'a pas livré son secret... Eh bien... Naturellement, vous serez tous fusillés. Tous les six. Mais monsieur l'officier, et mes petits? Leur vie ne dépend que d'un mot de ce garçon. Vous, veillez aux portes. Lisciardo! Quoi? Je reviendrai dans une heure. C'est lui qui a fait entrer vivant tous les prisonniers après la bataille de Gomara. C'est lui? Il les faisait entrer un par un dans les fosses. Mais qui es-tu, toi, qui viens enterrer sur nous le malheur? Tu es espagnol? Oui. Et tu as caché Bolivar? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu es un traître à l'homme? Tu trahis le roi? Tu fais cause commune avec les rebelles? Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Qu'appelles-tu être avec nous? Je suis avec vous contre les miens, contre leur oppression, leur violence, contre cette manière terrifiante qu'ils ont de nier l'homme. Vous le voyez bien que pour eux, la vie humaine, la dignité humaine ne compte pas. Que m'importe que tu sois pour ou contre les Espagnols, avec ou contre nous, c'est moi, c'est nous six ici qui sommes menacés. C'est nous qu'on va tuer. Nous voulons savoir tes intentions. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous, tu as caché Bolivar. Moi, je ne veux pas me rendre comme ça. Je n'ai rien fait et je suis espagnol. Je rentrais chez moi, je passais dans la rue. Je venais de chez Roy, le musicien, on peut vérifier. Et je n'ai jamais conspiré, jamais! J'ai joué devant la reine, en 1807. J'ai été engagé au théâtre royal de Madrid jusqu'à l'arrivée des Français. Et j'ai toujours été fidèle à sa majesté, toujours. Et j'ai même refusé de jouer pour les Français. Bah tu parlais oui ou non? Comprenez-moi! Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que nous n'avons pas compris ce que nous a dit l'officier? Soit tu parles, soit nous sommes tous fusillés! C'est pas cela, non? Moi, j'ai 5 enfants! L'aîné, il a peine 12 ans. Fabriquant et en montant ses chars, j'arrive à peine à les élever. Est-ce que c'est toi qui les nourriras? Non! Alors... C'est vrai. Tout cela est vrai. Chacun d'entre vous défend sa vérité. Et sa vie. Et plus encore que sa vie. Mais Bolivar est le seul. Le dernier espoir pour les Vénézuéliens de se libérer des Espagnols. Si je livre Bolivar, je ne livre pas Bolivar seul. Mais la liberté. La vie de plusieurs millions d'hommes. Ah, nous sommes perdus. Il va refuser de le dénoncer. Il ne s'agit pas de vous sacrifier pour sauver la vie d'un seul homme. D'un océan à l'autre, de Guayaquil à Caracas, de Panama à Cusco, tout le Venezuela, toute la Nouvelle-Grenade, tout un monde attend de Bolivar sa libération. Tout un monde qui souffre sous la domination la plus cruelle, la plus abjecte, la plus féroce. Il va refuser, il va nous sacrifier. Bolivar est le seul homme, le seul chef capable de conduire la guerre pour l'indépendance contre les Espagnols et de guider la révolution. De faire de ce pays une nation libre, une grande nation d'hommes libres! Cela veut dire que tu refuses de parler? Mais tu vas pas nous laisser fusiller, n'est-ce pas? Mais non! Il va parler! Vous verrez, il va nous dire! Oui, oui, non, on va te le dire où tu as caché Bolivar! Oui ou non? Comprenez-moi! Non, 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 non! Réponds-moi! Réponds-moi, la face au fils, il va revenir! Réponds-moi! Réponds-moi, je te tue, Seigneur! Il va répondre! Vous verrez qu'il va répondre! Écoutez-moi! Vous vivez tous sous la domination d'hommes féroces et impitoyables! Êtes-vous sans orgueil? Êtes-vous sans dignité? Ne vous sentez-vous pas soulevé de haine par les assassins de Campillo, les bourreaux de Kumata? Souvenez-vous. Mais souvenez-vous! À Campillo, le général Rossette les faisait brûler vivre tous ses prisonniers! À Kumata, Orales faisait clouer aux portes tous les enfants au berceau! Et Antonanzas qui collectionne les mains coupées! Et Iscardo qui fait rafler les jeunes filles pour les faire violer par ses cavaliers! Symbolisé partout! Toute puissante, implacable,
féroce. Et n'est-ce pas lui seul qui a eu cette idée monstrueuse de nous enfermer ici? Qui a créé ce supplice atroce? Il va nous laisser fusiller! Les espèces de nous ne se considèrent pas comme des hommes, mais comme des animaux, des êtres inférieurs qu'on peut, qu'on doit exterminer! Tant d'horreur, tant de bestialité ne vous révoltent-elles pas? Et ne peuvent-elles suffire à vous soulever face à ces brutes jusqu'au dernier sacrifice? La défaite des révolutionnaires à San Mateo, est-ce la fin de tout espoir? Mais non! Je vous le dis, je vous le crie! Il faut réunir les partisans! Il faut refaire l'armée de l'indépendance! Bolivar seul peut accomplir la révolution. Il faut qu'il soit sauvé. Il le faut, à tout prix. Oui ou non? Vas-tu nous dire où il se cache? Oui ou non? Mais pas! Mais pas! Pas d'autre, venez! Grâce à Bolivar, l'heure viendra où ce pays sera délivré. Où ce pays, je vous le répète, deviendra une grande nation d'hommes libres, grâce à Bolivar. Écoute donc, tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux tuer Cisette pour en sauver un seul. Ah, comprenez, comprenez. Ce n'est pas la vie de Cisette contre celle d'un seul, mais contre la liberté, la vie de milliers de malheureux. Alors tu ne diras rien? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je voudrais pouvoir. Je voudrais comprendre moi-même. Savoir si j'ai raison. Savoir si je ne me trompe pas. Mais oui, réfléchis. Tu es intelligent. Tu vas découvrir toi-même que ton obsession est insensée. Que ce marché lui-même est monstrueux. 6 personnes vivantes. Cela compte. Dieu te regarde. Il va t'aider. Écoute donc sa voix. Notre souffrance, notre désespoir, tu as tout cela devant tes yeux. Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse entrer Dieu dans ton âme. Mais n'est-ce pas Dieu qui nous envoie cette épreuve? Et ne devons-nous pas tous ensemble l'accepter, la surmonter? Ne devons-nous pas mériter le ciel? Réfléchissez vous-même. Il s'agit moins ce soir de sauver nos corps que de sauver nos âmes. Il s'agit ce soir de mourir pour sauver des millions d'êtres, les sauver du malheur et ainsi rester dignes du sacrifice du Christ. Il dit! Mais non, tu m'appelles qu'il refuse de parler! Il ne te dénoncera pas, Bolivar! Nous sommes perdus! Chien! Vous avez bien vous fichier à parler! Tu calmes, tu dors avec cette divagation! Mais l'heure passe! Il faut que tu parles! Tu dois parler! Oui! Oui! Il faut que tu parles! Il faut. Tu ne peux pas me faire ainsi! Moi, je sais comment! Qui va les nourrir? Si c'est la main de Dieu qui nous frappe, c'est injuste. Et je ne peux croire que Dieu soit injuste et cruel. Non, je comprends ton jeu. Tu cherches à nous égarer. Tu cherches à nous faire admettre que c'est Dieu qui nous a conduits ici. Que c'est sa volonté qui nous tient ici. Mais même si nous acceptons cela, c'est à toi seul. C'est toi en définitive qui peut ou nous épargner ou nous jeter devant les fusils espagnols. Nous savons que tu peux choisir. Et tu dois le faire selon la raison espagnole. Je sais. Je sais aussi que je peux choisir. Et c'est précisément cela qui m'épouvante. Quel que soit mon choix, je serai fusillé. Ne comprends-tu pas? Tu sais cette liberté qui me torture plus que la certitude de mourir! Mais peut-être est-ce là l'épreuve que Dieu me réserve. Peut-être que Dieu reconnaît les siens en les abandonnant d'abord à cette liberté. Réfléchis bien. Écoute la raison. Si tu choisis de sauver Bolivar, tu assassines 6 innocents. Pense que moi-même, je ne suis pas capable, je suis espagnol, c'est injuste! Sacrifier 6 innocents? Mais il y a des millions d'innocents qui espèrent en Bolivar! J'ai de patrie! Écoute, peut-être on ne peut pas te fléchir lui-même, mais vois cette femme. Elle a 2 petits. L'un a 10 mois à peine, l'autre tout juste 2 ans. Elle était partie acheter du pain. Elle ne comptait s'absenter de chez elle que quelques minutes. Elle les a laissés enfermés. C'est une veuve, je la connais, sa maison est isolée. Il faut qu'elle retourne chez elle. C'est bien que tu aimes ton ami, mais elle aime aussi ses enfants. Tu ne peux pas les laisser mourir, et de cette manière! Après la bataille de Sikisek, les officiers obligeaient les prisonniers à massacrer leurs propres femmes et leurs propres enfants. Ceux qui refusaient étaient enterrés vifs,
Oui, c'est horrible. Mais ce serait aussi horrible de laisser mourir de faim ces deux petits seuls enfermés là-bas dans une maison isolée. Quelques jours après la défaite de Miranda, j'ai reçu l'ordre de trouver Bolivar. Je l'ai trouvé. J'ai parlé avec lui toute la nuit. Je sais qu'il recommencera la guerre. Mais qui va nous laisser massacrer? Il délivrera ce peuple du plus abominable des servages. Mais cette femme aussi existe et ses enfants sont innocents. Innocents. C'est bien que ce soit pour le peuple que tu fasses sauver ton ami. Mais il faut aussi sauver ses enfants. Pablito va se réveiller. Il criera de faim. Ses enfants n'ont rien fait. Il faut que toi aussi tu réfléchisses à cela. Chaque jour, des milliers d'enfants à cette heure naissent esclaves partout ce pays. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu sais bien qu'il en parlera. Qui ne parlera pas? Mais c'est un monstre! Un assassin! Plus féroce 100 fois que les autres Espagnols! Il faut que je sorte d'ici! Il faut que tu pars! Tout inutile! Il ne parlera pas. Mais moi, enfin, je n'ai jamais conspiré. J'ai toujours été fidèle au roi. Mes camarades de la troupe le savent. Il suffira de les interroger. Je ne veux pas être condamné pour une cause qui n'est pas la mienne. C'est insensé. J'en parlerai à l'officier tout à l'heure. Après tout, je suis espagnol comme lui. Il comprendra. Il faudra qu'il comprenne. Imbécile! Il ne voudra rien comprendre! Bah, tu dis ça, hein? Pourquoi? Tu sais comme moi que c'est exactement ce que l'on veut! Des innocents! Pour faire parler ce bandit! C'est à devenir fou! Moi j'ai ma femme qui m'attend! Et je sais même pas si je la reverrai! À cause de cette crapule! Il faudra qu'il comprenne. Mais nous allons tous être massacrés! Ma femme m'attend. Si je ne l'avais pas, ce serait peut-être plus facile. Mais elle m'attend! Elle doit être à la fenêtre déjà! Nous sommes mariés depuis à peine un an. Et c'est trop court! Un an de bonheur! Toi! Hein? Toi, tu n'as rien! Rien! Ni femme! Ni enfant! Ni famille! Rien! Personne! Moi j'ai fait 5 enfants! Qui m'apporte des millions d'autres! Si tu avais 5 enfants comme moi, tu te serais peu de tes millions d'inconnus qui se perdent assez grands pour s'effondrer eux-mêmes! Et Bolivar lui-même, ton ami, s'il savait que nos vies, et bien plus que nos vies, le salut, le bonheur de ceux que nous aimons dépend de lui. Ah, je suis sûr qu'il se livrerait. J'ai entendu parler de lui. On m'a dit qu'il était brave et généreux. Il ne supporterait pas que des enfants innocents paient à sa place. Bolivar n'a plus le droit de se livrer. Qu'est-ce que tu dis? Bolivar ne s'appartient plus. Il appartient désormais tout entier à la cause qu'il a lui-même fait surgir, par-dessus le cadavre de millions de morts. Ah! Vous voyez bien! Vous voyez bien! Il ne parlera pas! Mais je vais lui crever les yeux! Je vais lui arracher les yeux! Attendez! Attendez! Monsieur! Lâche-moi! Et puis à quoi bon? Autant tu bien vu! Je hais l'espagnol! Je sais ce que vaut Simon Bolivar. Mais es-tu certain qu'il rejoindra Puebla? Si je n'avais pas cette certitude, où crois-tu que je prendrais tant de courage en ce moment? Oui, mais j'ai peur de tout à l'heure. Mon père a été fusillé déjà, quand j'avais 5 ans à peine. Ils ont mis le feu à la maison. Ma mère est seule, mais ce sera très dur pour elle aussi. Oui. Tu as bien réfléchi toi-même. Il s'agit, n'est-ce pas, de nous sacrifier tous les 6 pour sauver la vie d'un homme dont les exploits sont à venir. C'est cela. 6 vies humaines supprimées à coup sûr. 6 vies humaines avec toute la charge qu'elles représentent d'espoir. De fragiles voleurs terrestres. Tu as bien réfléchi. Cette mère et ses 2 fils menacés. Cet homme et la femme qu'il aime plus que lui-même. Cette femme et ses 5 enfants trop jeunes encore. Tout cela existe, tout cela est réel, fait de chair et de sang. Et l'anéantir, c'est aussi ouvrir d'autres portes au malheur, jeter sur d'autres êtres du désespoir, de la douleur et des larmes. Quelle vérité peux-tu donc opposer à cela, puisque Bolivar, poursuivi, risque d'être arrêté ce soir même, puisqu'il est malade et que la mort peut le ravir pendant la nuit? Et qui te dit que cette mission pour laquelle tu le préserves, qui te dit que la Providence lui permettra de l'accomplir?
réfléchis bien, six vies humaines sacrifiées à coup sûr contre les exploits incertains d'un homme malade et rigoureusement traqué. J'ai bien réfléchi. C'est la dernière chance. Mourir, oui. Mais mourir ainsi. Assez, tu les deux. Tu vois bien qu'il ne parlera pas et que rien ne peut faire fléchir cet insensé. T'es courant ! Moi aussi, j'ai encore dans la tête les cris des égorgés de Sikisek. Et quand je ferme les yeux, j'ai incrusté sous les paupières l'image de mort dans les fosses de combattants. Moi aussi, je sens sur moi le mépris des Espagnols comme les mains de pierre partout jusque dans ma maison. Mais ma mère est vieille et seule et elle a déjà tant pleuré. C'est la dernière chance. Si elle s'éteint, si Bolivar est pris ou s'il échoue, alors ce sera la nuit complète et pour toujours sur des millions et des millions d'hommes d'un bout à l'autre de ce pays. Il faut sauver cette chance. Il le faut. J'ai choisi. Je crois que j'ai raison. Je le crois. Je veux le croire. C'est assez. Tout serait absurde. Tout serait criminel. Mais il faut qu'il parle. Ils vont nous tuer, c'est vrai. Il en passe. Oh Seigneur. Oui, il faut qu'il parle vite ou c'est mon malheur sur nous. Que faire, vous autres? Parle. Mais fais quelque chose, parlez-lui. Écoute. Je suis riche. Je te donne tout ce que j'ai. Avec ma fortune, tu pourras continuer ailleurs. Bolivar peut disparaître. Toi, tu pourras continuer. J'ai des fermes, des troupeaux. Tu pourras armer beaucoup d'hommes contre les Espagnols. Je te le dis, devant témoin. Accepte. Accepte donc! Tu es jeune, tu seras riche, tu pourras partir en Europe! Que t'importent les autres! Hein? Dis que tu acceptes! Nous avons tous entendu, nous avons tous été témoins! Il a promis! Que j'accepte ou non de livrer Bolivar, les Espagnols ne me relâcheront jamais. Mais vous le tuez! Mais il faut l'étrangler! Ah, il ne parlera pas, mais puisqu'il sera mort, on ne pourra plus rien exiger de nous! Aidez-moi! Aidez-moi! Non, mais non, pas cela! Nous capturons! Pas cela! Pas cela! Lâchez-le! Lâchez-le! Bouge plus, Félix! Lâche-le! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En voilà des cris! Je comprends. Alors, a-t-il parlé? Avez-vous obtenu quelque chose? Non, monsieur l'officier. Il n'a pas encore parlé. Nous avons le temps. Nous allons tout tenter. Ouais, bah, tentez pas de le tuer, hein. C'est un plaisir que nous nous réservons, compris? Oui, monsieur l'officier. Bah, faut vous dépêcher, la montre a déjà trotté, il ne reste plus beaucoup de temps. Bah alors, vous manquez d'imagination. Un corps d'homme, c'est pourtant farci d'endroits sensibles. Au lieu de bavarder, vous lui mettez le ventre sous les pieds de la table et vous montez tous dessus. Vous prenez la chaise, la paix, Morales. C'est qu'ils allaient le tuer, ces imbéciles. Ah oui. Eh bien, il n'y a qu'à commencer. Monsieur l'officier, vous avez dit une ordre. Trop long. Et j'ai envie de mener mon expérience jusqu'au bout. Par le sang du Christ! Elle est adorable, cette petite fille. Mais je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Où donc avais-je les yeux? C'est pas barbare. Comment t'appelles-tu? Elena. 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 Indienne, non? Ma mère était indienne. Enfant de l'amour! C'est pour ça que tu es si belle. Ma mère était servante chez un Espagnol. Qui l'a violée. Chance sur lui qui t'a engendré. Et qu'elle soit dans la gloire, celle qui t'a mise au monde. Quel âge as-tu, petite fleur? 18 ans. Et tu es vierge?
Trésor merveilleux. Et bon, laisse. Où donc avais-je les yeux tout à l'heure? Sans doute étais-je trop ébloui. Tu seras épargné. Naturellement. Ce soir, tu deviendras ma femme. Ça te plaît? Suffira de faire fusiller ces simples-là. Mais, monsieur l'officier, vous avez dit non, vous êtes... C'est quoi? Je fais ce que je veux. Tu m'as pas dit si ça te plaisait. Je veux être fusillée avec les autres. Méchante. Adorable. Méchante. Tu as de beaux cheveux. Et des seins de déesse, mon adorable Léna. Bon, et toi? Tu ne t'es pas laissé fléchir par les supplications d'une beauté comme elle? Ses yeux n'ont-ils pas pu faire fondre ton cœur? Et cette voix, plus douce que la musique céleste, n'a-t-elle pas pu toucher ton âme? Ce que tu es dur, mon Serra. Quel bloc de granit! Elle seule n'a pas ouvert la bouche. Tiens. Tu te résignerais vraiment, jolie Elena, à mourir pour ce Bolivar que tu ne connais même pas. Vraiment? Je suis sûre qu'il faut à tout prix sauver Bolivar. Et j'ai mes deux frères à Puebla chez les révolutionnaires. Morales, elle me plaît de plus en plus, cette petite. Ce soir, elle et moi dînerons tête à tête. Tu feras préparer une table dans ma chambre. Du Malaga, naturellement. Aimes-tu le Malaga ou préfères-tu du Xérès? Je veux subir le sort de ces gens. Allons, allons. Tu serais bien la première fille de ce pays que je verrais préférer si bas dans la poitrine. D'où la paix? Ma belle, quand un officier du roi fait l'honneur à une indienne de coucher avec elle, il faut qu'elle le remercie très humblement. Mais j'aime assez que cela te déplaise. Quant à eux, commence par celui que tu voudras. Mais monsieur l'officier, il va peut-être consentir. Potière. Encore toi? Camorales, commence par elle, elle m'agace. Allez, ouvre. Non mais monsieur l'officier, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Suppose que tu meurs d'un accident ou d'une maladie souffrante. Ça t'aidera. Mais monsieur l'officier, j'ai 5 enfants. Ma chère, tu peux pas t'imaginer que parce que t'as fait 5 enfants, t'as droit à l'immortalité, non? Premièrement, pour mourir, ce n'est pas vrai. Il n'est pas nécessaire d'avoir commis un crime. Tu en as la preuve. Tu sais bien que ta vie ne dépend que d'un ou d'autres garçons. Alors, tu ne dis rien? Emmène-la, avance, la vieille. Non, non, lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Avance, Lily. Qu'il faut sacrifier ces gens pour sauver Bolivar. Tu es certain de ne pas te tromper? Ce serait monstrueux, non? Si tu te trompais. Bon. Morales, continuons. Souviens-toi que je suis aussi entêté que tu peux l'être. À toi. Avance. Pourquoi moi? Je te dis d'avancer. C'est impossible. C'est impossible. Ne dis pas de bêtises. Je me dis que c'est impossible, je ne peux pas mourir ainsi. Hé, hey, Montserrat, ce n'est pas bon. Un homme qui a peur de mourir. Hé, hey, regarde-le, le malheureux. Je suis certain que si notre ami la potière n'avait pas été fusillé, ce visage et cette plainte
lui réinspirer l'une de ses plus belles heures, tu ne penses pas? J'ai toujours été fidèle au roi. Interrogez mes voisins. Je connais beaucoup de gens dans cette ville. Interrogez-les. Donc, te fusiller est doublement injuste. D'abord, tu n'as rien fait. Et en plus, tu nous déloyales, c'est ça? Oui, c'est cela. Tu as entendu, Montserrat? Tu devrais considérer ce cas avec un peu plus d'attention que pour les autres. Tu sais bien que c'est pas moi qu'il faut fléchir, mais lui. Moi, je te comprends. Je te comprends parfaitement. Alors, tu ne dis rien? La vie d'un brave commerçant t'importe peu? Bon. Eh ben, tant pis pour toi. Je regrette. Allez, suis-moi. As-tu encore quelque chose à dire avant de mourir? Essaie de trouver quelque chose, défends-toi donc. Monsieur l'officier. Allez, parle plus fort. Nous t'écoutons. Je suis riche. Et alors? Est-ce que je... Je ne peux pas racheter. Vous entendez, vous autres? Vous avez entendu? Vous avez compris. Il me propose d'échanger sa vie contre sa fortune. Notez qu'il faut être commerçant dans l'âme pour avoir pareille idée, hein. Mais réfléchissons. Réfléchissons. Ta vie n'a d'intérêt pour moi que dans la mesure où elle me permet de faire pression sur cette entêté. Ce qui revient à dire que ta vie ne vaut rien! Strictement rien à mes yeux! Si sa mise en jeu ne fait pas avouer, c'est vrai. J'ai réfléchi. J'ai un autre marché à te proposer. Un marché moins ridicule que celui que tu as eu l'audace de m'offrir. Tu me parlais de ta femme tout à l'heure. Elle est très belle et tu l'aimes, pas vrai? Oui. Tu m'as dit aussi que tu n'aimais plus que ta vie. Tu te souviens? Oui. Eh bien, je te laisse la vie sauve si tu me livres ta femme. Tu as bien compris? Ou tu es fusillé dans quelques minutes, ou bien tu es libre, à la condition que ta femme couche ce soir dans mon lit. Décide-toi-même. Me la donnes-tu? Me la donnes-tu? Tu as 3 secondes pour te décider! Me la donnes-tu? Oui. Ah. Marche. J'ai à présent l'impression que si j'acceptais ce marché, je serais un peu la dupe, hein? Tout à l'heure déjà, tu cherchais à me tromper en me faisant miroiter que ta femme était un être exceptionnel. Sans prix, un joyau inestimable. Et tu me la cèdes contre ta vie. Avec une facilité qui me paraît suspecte. Allons, je vais cesser ce jeu. Naturellement, je la refuse aussi. Il doit être moins belle que je l'imaginais. Monsieur l'officier, bon, il ne fera rien. Il ne manquera pas de beaux et jeunes officiers qui se font une joie de consoler ta jeune femme. Elle ne va pas passer dans l'abstinence le reste de ses jours. Quelle aille ! Non ! Non ! Non ! Montserrat, un mot de toi, et cet homme est sauvé. Nous sommes plus heureux avec le prochain. Salcedo! À toi. Pourquoi moi? L'ordre a été proposé. Pourquoi veux-tu être le dernier? Tu imagines que Montserrat finira par s'attendrir avant que vous ne soyez tous morts, c'est ça? Je vous en supplie. Ne me supplie pas! C'est lui qu'il faut fléchir. Et je compte sur ton talent professionnel pour ça. Tu m'as vraiment ému à la Guaira. Lorsque tu jouais le rôle d'Ascasio sur le point de monter à l'échafaud. Si tu m'as ému, moi,
en jouant un personnage imaginaire devant une mort imaginaire. Alors, comment ne fléchirais-tu pas ce soir, Montserrat, alors que c'est toi, le vrai toi, qui va mourir, vraiment mourir. Allez, nous t'écoutons. Ne me tue pas. Je ne peux pas. C'est pas ainsi que tu feras fondre le cœur de ce garçon, je te préviens. De vraies larmes. Ascasio lui aussi versait de vraies larmes. Ce soir-là, tu lui prêtais ton corps, ton visage et ta voix. Et il vivait. Mais à présent, il ne peut te prêter son courage. Et tu es là, tout sanglotant et tremblant de peur. Je veux, entends-tu, que tu répètes la tirade d'Ascasio quand il est sur le point de monter à l'échafaud. Dépêche-toi et dis-la bien. Oublie-toi, oublie-nous, oublie tout ce qui n'est pas Ascasio sur le point de monter à l'échafaud. Fais ton métier. Mort, voici ton triomphe. Tes ailes ce soir vont me couvrir. En fin de bataille. Oui, laisse donc tomber tout ce patras. Arrive directement à la fin de la tirade, quand il se tourne vers ses ennemis. Pour vous, Cassian, je ne vous hais pas. Car Dieu m'appelle, et je dois aller à lui le cœur lavé de toute souillure. Je ne vous hais pas et je ne veux pas vous haïr, puisque le Sauveur commande que nous pardonnions comme il a pardonné. Assez! N'est-ce pas magnifique? Cet homme qui, sur le point de mourir, fait confiance à Dieu et pardonne à ses bourreaux. Et de vrai, Salcedo, comme tu as bien joué, ce soir, grâce à moi, tu as eu, pendant quelques secondes, la virile et généreuse d'Ascasio. Infâme. Tu es infâme. Tu es un cœur de hyène! Mon père, protégez-moi. Si cet homme n'avoue pas, et surtout si telle est la volonté de Dieu, tu vas mourir ce soir. Tu dois te résigner. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais je suis innocent. Qui est innocent? Je veux cet homme qui se sert de ma vie, qui joue avec ma vie! Ce n'est pas ainsi que tu dois affronter Dieu, mon fils. Jésus a dit à ses disciples sur la montagne, « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est pourquoi tu dois mourir, en proclamant que les hommes qui te font mourir sont tes frères, en les reconnaissant comme tels, en les aimant du fond de ton âme. Les aimer, mon père? En demandant jusqu'à ton dernier souffle que le Seigneur leur pardonne, comme tu leur pardonnes, qu'il daigne étendre sur eux sa clémence infinie. Assez. Puisque Dieu ne se manifeste pas, il est temps que moi j'intervienne. Alors, Serra, un mot de toi et tu conserves l'art dramatique, l'un de ses plus grands interprètes. Tu ne vas pas le laisser mourir ainsi. C'est un bon chrétien, un espagnol loyal, le seul parmi ses indiens et ses créoles. Jamais d'offense envers le roi, ni envers Dieu. Alors, tu ne dis rien. Que tes silences sont meurtriers. Mon père, par pitié, c'est impossible d'intervenir pour moi. Assez, je ne veux pas qu'on me tue. Tu es espagnol. Ne l'oublie pas. Et n'oublie pas non plus que si Montserrat ne parle pas ce soir, rien ne pourra te sauver. Rien, ni personne. Un peu de dignité. Thank you.
est-il mort? Pleurnichard, indifférent, désespéré. Il est mort avec beaucoup de noblesse, calme, comme rasséréné. Parfait! Il a donc décidé de mourir dans le rôle d'Arcassio. Quel grand comédien qui disparaît! Il craignait beaucoup la mort. Aussi... Épargnez-nous son oraison funèbre, Iscariote. C'est bon! Nous allons donc continuer. Voyons, un acteur professionnel de la classe de cet infortuné Juan Salcedo n'a pas réussi malgré tout à dégeler le cœur de Montserrat. Je crains fort que ces pauvres gens ne meurent contre leur gré au nom de la liberté, de la justice et de la dignité humaine. En parlant de dignité humaine, Montserrat, te souviens-tu de ma petite mésaventure de Sierra Chavanis? Tu sais, quand les partisans de Bolivar m'eurent pris et enterré jusqu'au cou, ils me pissèrent dessus à tour de rôle. Amusant, n'est-ce pas? Ils se pliaient d'ailleurs devant ma tête. Ensuite, pendant 3 jours, j'ai mangé la terre. Ce sont des cavaliers du régiment d'Alora qui m'ont trouvé. Il était temps. Je commençais à sentir les vers grouiller le long de mon corps et le long de mes cuisses. Ils se préparaient, tu comprends? Mais je perds mon temps à te parler de mes glorieux souvenirs, des défenseurs de la dignité humaine. Voyons. À qui le tour? À moi! Toi! Mais non, ma belle. Toi, je te l'ai dit. Je te ferai mourir cette nuit, sur mon lit, mourir d'amour. On t'entendra râler depuis le fin fond du camp d'artillerie. Tiens, Morales, prends plutôt celui-là. Un moment! Que voulez-vous, mon père? Cette fille doit subir le sort de ses compagnons. Quoi? Vous, mon père, vous vous opposez à ce que je l'épargne? Le raisonnement de tout à l'heure qui valait pour Salcedo vaut pour elle aussi. Cette fille est là pour faire avouer à Montserrat le refuge de Bolivar. C'est-à-dire que sa vie est mise en jeu pour la cause de son excellence qui se confond avec celle de Dieu. C'est certain. Qui te dit qu'en vérité, ce n'est précisément pas le sacrifice de cette fille qui habituera Montserrat et lui fera avouer le refuge de Bolivar? Il est vrai qu'elle est assez belle pour attendre un sabre. Hé, hey, mon père, vous ne jugez pas trop mal. Vous avez bon goût. Inutile d'y rodiner. Tu ne savais pas ce que ton acte avait de criminel. Criminel, en effet. En vérité, Iscardo, tu cèdes trop vite à la voix du tentateur. Naturellement. La voix du tentateur. Bon, et toi? Tu ne dis rien, notre ami Montserrat? Tu vas te laisser fusiller sans tenter de le fléchir? Alors, comment t'appelles-tu? Ricardo. Ricardo. Tu es courageux, Ricardo. J'aime le courage. Et il me vient envie d'éprouver le tien davantage. Une petite séance dans les caves de notre talentueux bourreau. Ne t'imagines surtout pas qu'il s'agisse d'un vulgaire rôtisseur d'orteils. C'est un artiste. Et qui aime son art. Un virtuose de talent. Et pas un illettré, non. Il étudie l'anatomie. Pour se perfectionner. Alors, qu'en dis-tu? Bolivar nous vengera! Es-tu certain que Bolivar te vengera? Oui, imbécile! Suppose que nous réussissions à l'arrêter. Tu auras sacrifié ta vie pour rien. Mon père a été assassiné. Quand j'étais enfant, par les Espagnols! Et c'est une raison pour se laisser fusiller bête aujourd'hui! C'est bon. Je vois qu'il est inutile de prolonger la séance. Puisque tu acceptes de mourir pour le seul espoir que Bolivar parvienne à ses fins, toi au moins, tu sais pourquoi tu meurs. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais, enfin! Morales, emmène donc ce héros! La vue d'un héros a toujours quelque chose qui m'attriste. Je suis avec toi! Je déteste qu'on se trouve des prétextes pour... Arrêtez! Arrêtez tous ces crimes! Tout cela ne sert plus à rien, Iscardo. Tu es déjà tout couvert de sang, et tu devras répondre de tout ce sang devant Dieu! Un mot de toi, et Ricardo revient. Tu es loin de Dieu, Iscardo. Tu es très loin de lui. Un jour tu le chercheras, tu auras soin de lui. Mais lui rentre toi et lui, cette mer de sang, ce fleuve de larmes. Tu mourras désespéré, tu auras une agonie atroce! C'est pas ça qu'il faut dire pour sauver Ricardo. Pense à toi, Escalo, à ce qui t'attend, à Dieu qui t'attend! Ce qui m'étonne, c'est que tu n'aies rien dit en faveur des 3 premiers otages. Et que pour Ricardo, tu te mettes soudain à me supplier, à m'insulter, et même à me promettre les pires ennuis avec le Tout-Puissant. Pourquoi? Épargne-le! Ce n'est qu'un enfant! Oui, mais ce genre d'enfant s'est déjà manié un fusil. Tu voudrais le sauver,
parce que de tous ses compagnons, c'est lui qui a l'espoir de vivre le plus grand nombre d'années. Tout comme tu pourrais sauver Bolivar dans le seul espoir qui délivre ce pays de notre domination. L'espoir, l'espoir, tu n'as que ça dans la tête. Après ce bruit-là. Toi, ma belle, ce n'est pas encore ton tour. J'entrevois une chance que tu perdes ta virginité cette nuit. Et comme je dois être l'heureux amant, je vais pousser une dernière tentative pour te sauver. Mon père, vous acceptez qu'elle reste la dernière? Ah, Morales, alors. Comment est-il mort? Il est mort avec bravoure. Il a refusé le bandeau. Mais je l'ai quand même mis la face contre le mur. Ah si, au moment où j'allais commander le coup de feu, il a dit vive je sais plus quoi. Mais ça doit être vive la révolution, vive la liberté. Vive je ne sais quoi. Tu m'amuses, Morales. Ah oui, il nous tournait le dos. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu es content? Ton cher Ricardo est mort en digne partisan de Bolivar. Si jeune, n'est-ce pas? Mais c'est au tour de cette femme. Et tu n'oublies pas qu'elle a deux enfants. Ils sont enfermés chez elle. Si elle meurt, une mort lente, atroce pour de jeunes enfants, et qui ont normalement toute la vie devant eux, sans rien encore derrière, au moins 60 ans. Alors, tu dis rien? Femme, prépare-toi, c'est ton heure. Monsieur l'officier, par pitié, laissez-moi partir, j'ai deux petits-enfants, ils sont enfermés. Si c'était pour eux qu'il fallait mourir, j'accepterai avec joie. Je vous jure que ce sera avec joie. Folle! Pourquoi t'adresses-tu à moi? C'est lui qu'il faut fléchir. Tu dois comprendre. Qu'est-ce que la vie de deux petits-enfants ne mérite pas tous les sacrifices? Ils sont tous là. Ils ne demandent qu'à vivre. Tu ne peux pas les laisser mourir ainsi. Ils sont enfermés. Faire mourir un enfant est déjà un crime des plus horribles. Je t'en supplie. Ils sont si jeunes. Ils ne demandent qu'à vivre. Je ne plaide pas pour moi. Mais pour eux, tu ne peux assassiner ainsi deux jeunes enfants. Écoute-moi. Regarde-moi. Vois mes larmes. Est-ce que le cœur d'un homme peut rester glacé face au désespoir d'une mère? D'une mère qui va mourir en sachant qu'on va laisser ses enfants abandonnés à une agonie effroyable. Tu n'as donc jamais tenu un enfant dans tes bras. Tu n'as donc jamais été touché par ce miracle qu'est un tout jeune enfant. Si tu voyais mes petits, tu te laisses réfléchir. Ils sont tout dorés et vifs. C'est l'heure de nourrir le plus jeune. Il en a pelé maintenant dans son berceau. Regarde mes seins. Il en a pelé en agitant ses petits bras. Et je suis là, avec tout ce lait qui me gonfle la poitrine. Est-ce qu'on peut tuer Eddie, une mère qui allait? C'est Dieu qui les a créés. Des créatures de Dieu, est-ce que tu peux les faire mourir? Dis, tu crois en Dieu? Tu sais que tu ne peux pas les faire mourir, tu n'en as pas le droit. C'est plus qu'offenser Dieu. Iscard. C'est une maison isolée. À 500 mètres d'achat. Non! Laissez-vous! Reconnaissez-vous donc! On est plus temps d'être lâche! Ça fait déjà fait plus de 4 des nôtres! Il est trop tard! Laissez-vous! À la chienne! Emmenez-la! Il aurait mieux la fusiller tout à l'heure! Il y a ta faute! Allez! Non! Arrêtez! Arrêtez de la tuer! Il va pas, il est bon! Vous
et j'arrête moi-même l'exécution. Bolivar aura la vie sauve. Toi aussi, tu auras la vie sauve. Vous serez seulement important en Afrique. Je le prends sur moi. Je te risque un homme. Ah, mais parle. Parle donc. Ton silence est ton gueule. On ne fait craindre que nous avons cette tête de votre côté, mais pas de chez moi. D'Indiens à demi abrutis et de nègres pouilleux. Pour ce qui t'en fait, leur liberté, 100 000 d'entre eux ne valaient pas un seul cheveu d'Elena. Mais nous n'en avons pas fini en fait. Tuer. Tu es l'être le plus cruel, le plus abject que j'ai jamais vu. Tu ne respectes rien. Mais si, je respecte Dieu. Mais tout ceci, mon petit, ne me fait rien oublier. Je m'accorde quelques instants pour discuter avec toi. Et puis j'appelle Morales pour qu'il m'amène 6 nouveaux otages. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais que tout est fini. Que plus rien ne pourra me faire céder. À quoi bon tous ces crimes? Où puisses-tu tant de haine pour être aussi cruel? Tu vas me rendre vaniteux. Dis qu'à parler de mes escargots. Non. Cette fois-ci, je ne pourrai leur laisser qu'une demi-heure. Qu'une toute petite demi-heure. Ne t'en presse. Mais je souhaite qu'il y ait encore parmi eux une mère avec de très jeunes enfants. Je ne vais pas faire ça. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Et si ces nouveaux otages ne font pas avouer, je les ferai fusiller sous tes yeux. Et puis j'en ferai venir 6 autres. Et 6 autres encore. Et encore 6 autres. Jusqu'à ce que tu comprennes enfin ta folie. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Il est armé. Oui. Il est seul. Trois Indiens sont avec lui. Ils ont des fusils. Bon. Dis-moi. Tu me parlais d'une maison isolée tout à l'heure. Il y a des arbres, des buissons, ou c'est un terrain nu? Un terrain nu. Un terrain nu. Bon. Et ça se trouve à 500 mètres d'un chemin, c'est ça? Quel chemin? Celui de Totolac, sans doute. Quel chemin? Pourquoi te taire maintenant que t'en as beaucoup trop dit et pas assez, hein? Quel chemin? J'entends Morales. Il arrive. Dépêche-toi. Les gens qui viendront ici n'en ressortiront pas. Ah! Cyrano! C'est une nouvelle.
Bolivar a rejoint Santa Monica. Qu'est-ce que tu dis? À midi, Riro et ses hommes ont découvert par chance la ferme où ce fils de hyène avait caché Bolivar. Il avait déjà fini depuis une heure. Riro est mort. Trois de ses hommes sont morts. Tout ça à cause de cette charogne. Ah, mais reste tranquille. Parle, parle donc. Bolivar avait une escorte de 20 hommes armés. Des péants de Puebla. C'est encore cette canaille qui avait envoyé un émissaire. Riro les a attaqués. Mais à 7 contre 20. Les survivants sont ici. Ils vont lui faire payer cher. Ils sont là. Ils traversent la place. Ah, ce bâtard, si ce matin. Compliment. Dépêche-toi de te réjouir. Tu ne triompheras pas longtemps. Je crains moins ce qui va suivre que d'endurer de nouveau ce que j'ai dû endurer tout à l'heure. Tu parles de ce que tu ne connais pas. Il y a ceux qu'on laisse hurler toute la nuit, pendus par les aisselles à des crochets de boucherie. Dieu m'aidera, quoi qu'il arrive. Quand j'étais abandonné sur la plaine de Sierra Chavales, j'ai attendu en vain un signe, une présence, quelque chose qui m'aurait signifié que nous n'étions pas seuls, abandonnés avec notre propre chair. Dieu m'aidera. Tu seras seul. Seul comme je l'ai été. Seul comme chacun des otages tout à l'heure. Seul comme tous ceux qui agonisent à cette même heure. Sur la terre entière. Tu cherches en vain à me désespérer. Mais j'entends déjà les partisans de Puebla qui hurlent à l'arrivée de Bolivar. Ils y acclament. Je vois des fleurs et drapeaux aux fenêtres. L'espoir se lève. Tous les hommes brandissent leurs armes. J'écoute leurs cris de joie. Toutes les cloches sonnent. Toutes les femmes crient aussi de joie. Tout est fini, mon Serra. Non. Tout commence.